mon avis, sans une importance temporelle. Bien évidemment, nous allons consacrer notre intervention à l'expérience du centre de médiation et d'arbitrage, et une première dans notre pays. En effet, c'est courant l'année 2010 que les participants aux États généraux de l'OADA au Congo avaient recommandé la création d'une institution nationale de règlement alternatif des conflits commerciaux. Et la concrétisation de cette recommandation a eu lieu le 14 octobre 2011 suite à une décision du président des chambres de commerce permettait, et je puisse quand même dire à tout seigneur tout honneur, sous l'inspiration du président Paul Obama, que voici, qui a mobilisé le président des chambres de commerce de Brazzaville, lui-même, le Pointe-Noire, le Doulouse, le Ouesso et la délégation consulaire de la Nkwala, et qui ont décidé effectivement de mettre en place cette institution. C'est donc à travers cette mobilisation que la décision de la création du SEMAFO a été prise. Et le premier conseil d'administration du SEMAFO a eu lieu le 27 janvier 2012. À cette occasion, des textes fondamentaux ont été rédigés. Il s'agit notamment des statuts, du règlement intérieur, du code éthique, des règlements d'arbitrage et de médiation, mais également du barème des frais. Il existe donc aujourd'hui deux SEMAFO, parce qu'au départ, il n'y en avait qu'un seul, mais il y avait été finalement scindé en deux. Il y a donc le SEMAFO Brazzaville, qui est coordonné par notre directeur, et le SEMAFO de Pointe-Noire. Et pour rappel, l'opérationnalisation de cette institution a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Union européenne à travers le projet de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales qu'on appelle le PACCE. Quel est donc le cadre juridique du SEMAFO? Il y a deux principaux textes qui régissent la mise en place et le fonctionnement du dispositif de règlement alternatif des litiges commerciaux. Le premier texte est un décret numéro 41-245-4-1945, créant des chambres consulaires en République du Congo et qui, dans une de ses dispositions, prévoit que les pouvoirs publics doivent appuyer la mise en place et le fonctionnement des mécanismes de règlement alternatif des litiges commerciaux pour renforcer l'office de justice économique et apporter aux investisseurs des gages de sécurité juridique pour leurs transactions. Il faut rappeler que la sécurité juridique et judiciaire sont les maîtres mots en droit OADA. Et nous avons besoin des investisseurs dans notre pays, dans nos pays. Il faut effectivement qu'on tienne compte de ces notions-là. Le deuxième texte, c'est bien entendu l'acte uniforme de l'OADA, qui prévoit aussi la mise en place de l'arbitrage et de la médiation. Et de nos jours, nous avons un acte uniforme sur l'arbitrage qui venait d'être révisé en 2017 et un acte uniforme sur la médiation qui a été pris en 2017. Ce sont ces deux textes qui prévoient donc l'arbitrage de la médiation dans les 17 États membres de l'OADA. La justice commerciale était initialement distribuée dans notre pays à travers les tribunaux de commerce. Ou alors des chambres commerciales dans les juridictions où
où il n'y a pas encore de chambre de commerce, parce qu'au Congo, il n'y a que trois chambres de commerce, Brazzaville, Pointe-Noire et le district qui venait d'être créé. Et permettez aussi que je vous dise, que je vous informe pour l'histoire, que c'est votre modeste serviteur qui a ouvert en 1995 le tribunal de commerce de Pointe-Noire. Ce mécanisme devrait ainsi contribuer à l'amélioration du climat des affaires et par-dessus tout constituer un gage de construction d'un état de droit profitable à tous. Comment est organisée la médiation dans notre pays? Ou tout au moins, comment est organisée le SEMAPO précisément? Il existe quatre organes. L'administrateur général, qui est le coordinateur des deux SEMAPO actuellement. Vous avez un directoire qui tient lieu de conseil d'administration, celui de Brazzaville qui est présidé naturellement par le président Paul Okombi, qui est le président de la Chambre de commerce. Vous avez également un comité de supervision qui compte 5 superviseurs. Les superviseurs sont les censeurs des décisions, des sentences arbitrales, mais également des protocoles d'accord de médiation de l'ensemble des arbitres et des médiateurs. C'est une sorte de fond d'appel si nous référons aux juridictions classiques, aux juridictions étatiques. Vous avez enfin la délégation du général, qui est cet organe qui administre les arbitrages et les médiations. S'agissant du champ de compétences du SEMAPO, il faut dire qu'il y a l'article 4 qui est le statut du SEMAPO qui dispose que le SEMAPO a pour mission d'organiser et donc d'administrer conformément à ce statut et au règlement de médiation et d'arbitrage des instances de médiation et d'arbitrage à la demande des parties et à l'application d'une convention d'arbitrage ou de médiation. Cette question a été récurrente tout à l'heure. Qui doit servir les institutions? Eh bien, ce sont les parties qui doivent servir la place en arbitrage ou en médiation. L'article 5 dispose quant à lui que le SEMAPO est compétent pour connaître des litiges qui résulteraient d'un contrat stipulant une clause conférant le droit de s'agir en espèces, quel que soit le domicile ou le lieu de résidence habituel des parties au titre. Cela sous-entend que les deux SEMAPO existant actuellement dans notre pays ont les deux une compétence nationale. Au point où un nom d'affaires et un photo peut enjamber de la famille de SEMAPO Brazzaville à l'esprit de SEMAPO Côte-Noire, tout comme un nom d'affaires, un opérateur économique de Côte-Noire, et nous en avons déjà un exemple, peut venir signifier le SEMAPO de Brazzaville. Ces deux articles montrent que le SEMAPO est compétent pour assurer le règlement des litiges à caractère commercial, notamment, quel que soit leur marché. Le SEMAPO ne tranche pas lui-même les affaires. Il sollicite, lorsqu'il est saisi, l'office des arbitres et des médiateurs. Les arbitres et les médiateurs doivent être agréés par le SEMAPO après une procédure de sélection et de formation pour une durée déterminée. C'est donc à la suite d'un appel à candidature que les arbitres et les médiateurs sont sélectionnés. Et à ce jour, nous avons une liste commune des arbitres et médiateurs pour les deux SEMAPO. Mais c'est un véritable filtre qui se passe dans la sélection des arbitres. Parce qu'il faut tenir compte de beaucoup de critères, notamment la compétence. Vous avez également la moralité. Parce qu'on s'occupe des affaires des commerçants. C'est ce qui fait vivre les commerçants. La moralité doit être véritablement mise. Vous savez, les martialités,
l'indépendance dans les décisions que vous devez prendre, la disponibilité, ce sont vraiment les maîtres mots qu'il faut prendre en compte dans le cadre de la sélection des armes. La Bible est investie d'une mission juridictionnelle, mais nommée proportionnellement, c'est-à-dire par les parties. Les arbitres et les médiateurs sont choisis par les parties sur la liste qui existe au sein des SEMACO, mais si les parties pensent qu'aucun des arbitres ou médiateurs ne leur convient, ils ont la possibilité de prendre quelqu'un qui a des compétences dans la matière donnée pourvu que cet arbitre ou ce médiateur soit donc accepté par les superviseurs. Des attributions des arbitres et des médiateurs, eh bien, ils sont chargés justement de régler les litiges et d'aider les parties à trouver un accord transactionnel. À ce titre donc, ils doivent faire preuve de compétence, d'impartialité, d'indépendance, de confidentialité vis-à-vis des parties. Tout à l'heure, le procureur Moukama, le professeur des Québec, ont parlé de la notion de confidentialité. Le professeur des Québec a cité les avocats, a cité les notaires, mais il y a aussi que les magistrats, lorsqu'ils prêtent serment, doivent jurer justement de garder les secrets de délibération même à la fin de leur fonction. Cela suppose que même en matière d'arbitrage ou de médiation, lorsque vous avez commis une affaire, vous devez avaler tout ce que vous avez commis de cette affaire et ne même pas le souffler à votre époux ou à votre épouse, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vivez. C'est une affaire à vous et vous devez l'avaler net. Contracte une obligation de moyens. Oui, on doit, on sait, nous avons deux autres obligations principales. L'obligation de moyens, l'obligation de résultat. Ici, le médiateur, comme mes deux collègues l'ont dit tout à l'heure, doit mettre tout en œuvre, toute son intelligence, toute sa sagesse, pour arriver à trouver la solution utile. Il ne doit vraiment rien n'épargner pour arriver à trouver la solution. On a besoin de la sagesse. Le professeur Moukama a parlé du bon père de famille qui doit utiliser tous les moyens nécessaires pour arriver à la solution souhaitée. Bien entendu, lorsqu'ils sortent du cadre de leur mission, ils peuvent engager de responsabilité. Ce peut être la responsabilité contractuelle ou une responsabilité éventuelle, c'est-à-dire en transformant leur sort en matière infractionnelle, en matière pénale. S'agissant du fonctionnement du SEMACO, il existe donc deux procédures, comme je l'ai dit, la procédure arbitrale et la procédure de médiation. Oui, ce sont des étapes de procédure. Il a été refusé que ce n'est pas seulement un processus, mais ce sont des procédures véritablement. Et par la procédure arbitrale, le SEMACO est saisi par une requête, une demande qui est adressée au délégué général, qui porte certaines indications concernant l'identité, les adresses des parties, les noms de leurs avocats. Cette requête doit faire référence à la convention d'arbitrage. Est-ce une clause compromissoire, est-ce un compromis d'arbitrage? La clause compromissoire, c'est cette disposition que l'on insère dans un contrat initial. Le compromis, c'est lorsque vous n'avez pas pris le pli de prévoir une clause compromissoire, mais dans l'exécution de votre contrat, il arrive des fois que vous discutez dans l'exécution de votre contrat. En moins, vous décidez d'aller devant une forme arbitrale ou en médiation.
tout cela s'appelle maintenant une convention d'appel.